Salut. Salut. Mon Dieu, t'as l'air déçu de me voir. T'attendais-tu à quelqu'un d'autre? Mais d'habitude, t'es pas encore arrivé à cette heure-là. Ah, qu'est-ce que tu veux? L'inspiration, ça frappe à des heures bizarres, des fois, hein? Je vais prendre le café pareil. Cappuccino à la cannelle, le préféré d'Isabelle. Quelle attention délicate. Si j'avais su que t'étais aussi matinale, là, je t'aurais amené ton café à toi. Double expresso, juste pour te faire plaisir. Ben oui, t'aimes tellement ça, faire plaisir, surtout quand ça risque de rapporter. Ben fais-toi-en pas, ça va finir par rapporter, ça. Juste une question de temps. Ah, t'étais pas là l'autre soir au bar. Hein? Ben non, j'étais parti. Ben, je marque des points tranquillement, puis je vais finir par la voir. Jamais. Ah. Non, je la connais, Isabelle. Elle est tellement saine, cette fille-là, ça rend malade. Elle trompera pas son chum pour tout l'or du monde. Elle n'est pas obligée de le tromper. Elle pourrait juste le laisser. Hey, wow! Wow! Non, non, là, là, il y a une limite à ce qui est drôle, OK? Toi, là, je te laisserai pas foutre le bordel dans la vie d'Isabelle juste pour te prouver que t'es capable de l'avoir. Il n'y a pas question de prouver quoi que ce soit. Cette fois-ci, c'est différent. Ah! Tu dis toujours ça! Là, c'est sérieux! Ça fait une couple de mois que je la vois tous les jours, puis je m'attends pas. Elle est tellement extraordinaire, là. Elle a un appétit pour la vie. Un enthousiasme. C'est contagieux, moi, je te dis, elle me rend heureux. Hey, c'est grave, là? Elle va te soigner. Non, écoute, t'es pas en train de tomber en amour, là? Pas avec Isabelle, il y en est pas question. De toute façon, t'as aucune chance. Ah, oh, ben, je suis pas prêt à dire ça. T'es pas sérieux? Mm-hmm. T'es sérieux? Mm. 100 piastres que tu l'as pas. Oh! Oh! Tu me donnes combien de temps? Un mois. Hmm. Deux. OK. OK. Puis tu dis pas qu'on a fait un pari, par exemple. Mais franchement, pourquoi j'y dirais? Oh. Non, non, justement, je te connais. Quand il est question de gagner, tous les coups sont permis. Mais cette fois-ci, fais une exception, triche pas. Mais pourquoi je tricherais? Moi, je te regarde te débattre pendant 2 mois, puis j'empoche 100 $, puis la vie est belle. Oh, ben, tu vas avoir un choc. Comment ça ramasser ton argent, ma vieille? Je vais me dépenser en voyage avec Isabelle, puis on va t'envoyer une belle petite carte. Ah, ben oui, ben oui. Oh, je te dis qu'il faudrait pas que tu sois en congé trop souvent. Ah, 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 non, 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 non. Ah, faut les oreilles, tu sais. Ah, oh, non, je pourrais pas me lever. T'es pas obligée de partir tout de suite, hein? Oh, c'est vrai, je pourrais bien appeler, hein? J'ai travaillé fort cette semaine. Ah, non. Ah, ah, non, 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 pas le coup, pas le coup. Tu sais que c'est mon point faible. Raison de plus. Mmh. Ah, puis j'appellerai tantôt, ça peut attendre. Oh, là, je t'aime, Isabelle. Tu m'aimais pas tantôt? Oui, mais je t'aime encore plus quand tu te laisses faire. Ben, lâche-toi, Luce, puis aime-moi. C'est ça aujourd'hui? La chambre noire toute la journée. Ah! Aimes-tu toujours autant ça qu'au début? Ah, oui, oui. C'est sûr que passer ces journées complètes à développer le travail des autres, c'est moins intéressant, là, mais j'apprends quand même. Mais tant mieux. Thierry, comment il va? Il a l'air d'aller bien. Il a l'air? Ça veut dire quoi, ça? Il a l'air? Ça veut-tu dire qu'entre vous deux, c'est déjà fini? Y avait-tu quelque chose de commencé? Ben, je pensais. Moi aussi, je pensais, mais là, je sais plus. Oh! OK. Est-ce que tu as reparlé de sa fin de semaine dans le Nord avec ses amis? Non. Mais c'est ça qui t'achale. Non. Ce qui m'achale, c'est que je sais pas ce qu'il veut. OK, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais, là, tu me perds. Ben oui, je sais pas. J'aurais envie de savoir à quoi il pense, de quoi il a envie. Je sais même pas s'il a le goût d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ben, parlez-vous. Ah, ben oui, c'est facile, ça, d'abord. Excuse-moi, Thierry, j'ai un petit questionnaire pour toi. Que représente Gabriel Champagne pour vous? A, une simple employée. B, une maîtresse de passage. C, une amoureuse potentielle. Et D, aucune de ses réponses. T'en oublies une? Toutes ces réponses sont bonnes. Et peut-être tout ça, finalement. En tout cas, pour l'instant, je suis au neutre, là. J'attends de voir. Il me semble que je t'ai connue plus fonceuse, toi. Qu'est-ce que t'as? Que j'ai? J'ai juste peur de frapper un mur. Ça fait mal. Hey! Ça va s'arranger.
Comment pourrait-il te résister? Moi, je sais, c'est bien, bien difficile. Merci, papa. Ah oui, 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 ça vous va très bien. Vous dites toujours ça. À chaque fois que je viens acheter ici, vous dites la même chose. Ben, c'est parce que tout vous va bien, ça. D'ailleurs, à chaque fois que vous revenez, je vous trouve de plus en plus belle. Ben, surtout quand vous portez nos modèles. Cher Simon, je sais que vous rêvez d'avoir ma clientèle exclusive. Mais je suis plutôt de nature volage. Ah oui, je le sais, puis ça me brise le cœur. Allons donc. Je la prends pour vous faire plaisir. Pas pire, hein? Pas pire. Je comprends comment tu veux qu'elle résiste. Elle vient ici juste pour toi. Quand t'es pas là, elle achète jamais rien, la vieille peau. Oh, la vieille peau, franchement. Elle est superbe, cette femme-là. Mais oui, mais t'y poutes, sois réaliste. Écoute, son budget de chirurgie esthétique équivaut au produit national brut du Burundi. Franchement, t'as pas de bon sens, toi. Écoute. Oh, elle a pas de mal. Tu veux que je le prenne? Non, je prends, je prends. Oui, allô? Oh, salut! Mais non! Mais non, voyons, ça dérange pas. Est-ce que c'est Louis que j'entends? Ben, franchement, il pourrait arrêter de t'embrasser pendant que je te parle. Oh non, 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 non. Écoute, prends ton temps, chanceuse. OK, ciao. C'était Isabelle. Mm-hmm. Faut rentrer un petit peu plus tard parce que Louis est en congé, tu sais, puis bien, bien occupé. Oh, c'est beau, l'amour. C'est moi qui fais monter sa libido. Ouais, peut-être, mais c'est l'autre qui en profite. Ouais, mais inquiète-toi pas, je vais finir par en profiter, moi aussi. Mm. Simon? Oui, 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 oui. Simon! Simon, Simon, Simon! Bon, ben, j'ai la bénédiction de ma patronne pour prendre mon temps. Parfait. J'y vais. Oui, allô? Ah, salut. Oui, elle est là. Je la passe. C'est pour toi, c'est Maryse. Allô? Ben oui, on fait la grosse vie. Mon chum est en congé. Mais certain? Viens prendre un café avec nous. OK. Bye. J'ai pas le goût de la voir. Pourquoi tu l'as invitée, là? Je voulais qu'on profite de notre avant-midi. Elle restera pas longtemps. Elle restera pas longtemps. Je vous connais. C'est le reste de l'avant-midi qui y passe, je suis sûr, moi. Bon, ben, je vais aller faire de l'ornitho d'abord. Attends. Ça te tente pas d'entendre son compte rendu de ses ébats avec François? Ça m'intéresse pas. De toute façon, si je suis là, elle te dira rien. Ouais. Je suis même pas sûre qu'elle va me dire quelque chose. Elle a fait la promesse à François que tout ce qui allait se passer entre eux allait rester secret. Raison de plus pour que je m'en aille, OK? Oui. Mais peut-être que François, lui, a pas promis. Tu devrais l'appeler. Jamais. François, il est au chalet, là, puis je sais pas quand est-ce qu'il revient. Puis de toute façon, Isabelle, ça m'intéresse pas, leur histoire, OK? Manta, ça t'intéresse autant que moi. Je suis sûre que t'as hâte d'attraper François dans un coin. Pas tout. Tout ce que je souhaite, là, c'est que ça marche pas, puis qu'il y en ait un des deux qui voit le bon sens avant qu'il soit trop tard, OK? Il est peut-être trop tard. Isabelle, parle pas de malheur, d'accord? Oh, je suis assez contente que tu sois là. T'as quitté Jacques? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'étais plus capable. Il était en train de me rendre folle. Il fallait que je parte. Non, je comprends pas. Depuis le temps que t'es avec, t'as toujours l'air bien. Il me semble que c'est bien subi comme décision. Oh non, 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 ça faisait très longtemps que j'y pensais. Moi, oh, j'en viens pas. Je sais pas quoi te dire. Oh, ben, j'ai pas besoin que tu me réconfortes, Julius. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de m'aider. Je sais pas encore comment je vais organiser ma vie, hein. J'étouffe à Trois-Rivières. Je pense revenir vivre à Montréal. Mais j'aimerais ça pouvoir m'installer ici quelque temps, le temps de voir clair, tu sais. Ici? Oh, mais ça sera pas long, hein? Non, j'ai juste besoin de faire le point. Et puis ici, ben, je vais pouvoir réfléchir. Oh, ça va me faire du bien d'être près de ma grande fille. Puis près de toi aussi, hein, Juliette? T'es solide. Puis là,
J'ai besoin de ta solidité. Non, je vais croire, non, mais j'ai une vie, moi aussi. J'ai besoin de mon intimité. Oh, oui, oui, non, mais je te dérangerai pas, hein? Oui, mais Mado! Ah, appelle-moi pas Mado. Oui, Madeleine! Il y a une seule chambre à coucher ici. J'ai une amie qui a deux enfants, c'est le seul endroit où on peut être un couple. Ben oui. Il n'y a rien qu'une toilette. La cuisine est tout petite. Il y a Gabrielle aussi qui prend de la place. Bon, regarde au pire. Je coucherai ici 3 jours par semaine. J'ai encore des cours à donner à l'université à Trois-Rivières. Tu vas voyager ça 4 fois par semaine, c'est demain? Non, non. Les jours où j'ai des cours, je vais coucher là-bas. J'ai mon amie Diane. Oh, je t'en prie. Il est hors de question que je retourne avec Jacques. Il me semble que tu devrais me comprendre. Tu l'as toujours trouvé insignifiant. Ouais, effectivement, je me suis toujours demandé, mais c'est vrai que tu avais commencé avec lui. Sauf que je comprends encore moins que ce soit fini pour tout ce temps-là. Mais oui, mais il n'a pas évolué, Julien. En 17 ans, il n'a pas évolué d'un iota. Là, j'en peux plus de sa vision bornée du monde. Au début, je le trouvais rassurant. C'était ton antithèse. Ah oui, mais là, j'ai plus besoin d'être rassurée. J'ai changé, moi. Mais pas lui. Oh, mais c'est pas de ma faute, ça, moi. Oh, oh Julien, s'il te plaît. Oh là, je sais pas, là. Je peux en parler à Gabrielle. On peut voir oh, ce qu'on peut faire. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Non, non, minute, Mado, non, c'est pas... Je vais aller chercher mes affaires. Mado, Madeleine! Ils sont enchantés du dernier article. L'as-tu apporté? Non, t'arrêtes pas de les critiquer. Critique pas tes articles. Je les trouve excellents. C'est ta vision de François que je comprends pas. Bon, 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 commençons. Il a pas changé tant que ça. Avec moi, en tout cas, ça paraît pas. Ah! C'est parce que t'as pas le tour avec lui. Moi, j'ai appris à identifier un peu mieux ses sentiments et à les exprimer. Ah ouais? Est-ce qu'il parle beaucoup quand tu fais l'amour? Tu sauras rien. Sur quoi? Sur ta baisse avec François? Ça m'intéresse pas. À moins, bien sûr, que tu veuilles vraiment parler, là, pour te faire plaisir. C'était comment? Sèche. Oh, ah ouais, Marie. Non. De toute façon, je vois pas pourquoi tu tiens tant que ça à savoir. T'as-tu un fantasme secret sur François, toi? Non, non. Moi, je suis pas folle. T'as vraiment baisé avec? Tu l'as vu tout nu? Lurk. J'espère que t'as éteint une lumière. Non, mais t'as-tu aimé ça? Je pense que t'es enceinte. Je te prendrais bien un autre café, moi. Mmh. Non, plutôt un verre de lait, tiens. C'est mieux pour ma condition. T'es pas drôle. Je te cours après. Je voulais t'inviter à dîner, t'étais déjà parti. J'avais envie de rentrer chez moi. Je vois bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu fâché? J'ai fait quelque chose, tu m'évites. Je t'évite pas, je garde mes distances, c'est pas pareil. Tu gardes tes distances? Mais voyons pourquoi. J'ai pas envie de parler de ça. S'il te plaît, Gabrielle, pourquoi? Je sais pas à quel point j'ai le droit de m'approcher de toi. Je te comprends pas. Il me semble que c'est assez évident que je te veux le plus près possible, non? Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? On travaille ensemble, je passe tous mes temps libres avec toi. On couche ensemble. Pourquoi tu m'as pas invité au chalet l'autre jour? Quand ça? Quand j'étais rejoindre mes amis? Est-ce que c'est pour ça que tu boudes? Je boude pas. Je crois pas à ça, moi, des relations exclusives, là où l'autre prend toute la place disponible. Ça m'étouffe. J'ai besoin d'un petit coin dans ma vie à moi, pour moi. Ça veut pas dire que je tiens pas à toi, ça. Au contraire. Je t'aime, Gabriel. C'était l'enfer les derniers jours de te voir si proche et si loin en même temps. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Je pensais peut-être que tu avais revu François. Tu
t'avais pas envie de moi, tu savais pas comment me le dire. Toi non plus, tu te livres pas facilement. J'ai pas revu François, puis j'ai pas envie de revoir François. Est-ce que t'as envie de me revoir, moi? C'est sûr que j'ai envie d'être avec toi. Ça fait une semaine que je mange pas. J'arrête pas de penser à Jacques. Son expression quand j'ai dit que je partais, j'ai eu l'impression d'y planter un poignard dans le cœur. Oh. Ça doit, oui. Oh, Julien, dis-moi que j'ai fait la bonne affaire. Non, là, je peux pas te dire ça. C'est toi qui le sais. Je peux pas juger tes choix. Il faut vraiment que je parte, moi. Je te trouve très détaché. Mais je suis pas détaché, Madeleine. Je suis en retard, en état de choc. Tu débarques de ma vie comme une catastrophe naturelle, puis en plus, il faudrait que je te réconforte. Tu m'en demandes l'âge, je trouve. Non, je sais, je t'en demande beaucoup, Ida, mais ça sera pas long, je te le promets. J'ai vraiment besoin de... Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, toi, t'es pas à l'université? Oh, Gabrielle, oh, je suis contente de te voir. Ça va-tu, toi? Oh, oui, ça va. Je te compterai ça tantôt. Ah, bonjour. Bonjour. Thierry, je te présente Madeleine, ma mère. Enchantée, madame. Enchantée. Ben, on pensait qu'il y avait personne, on voulait pas déranger, on montait se faire des sandwichs. Ah, vous dérangez pas, là. Moi, de toute façon, faut que je parte. Bon, ça y est, je suis en retard. Voulez-vous que je vous conduise? Et tu seras fin. Allons-y. Je pense à prendre tantôt. Mm. Mais qu'est-ce que tu fais dans le coin? Oh, Gabriel, j'ai quitté Jacques. All right! C'est fou pareil, mon histoire, hein? Imagine, je suis peut-être enceinte à l'heure qu'il est. Mais Zach, c'est fou. Ça, ça allait passer un test? Oui, mais pas encore, c'est trop tôt. Oh, Isabelle, quand je vais le faire, vas-tu être là? J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un avec moi si c'est positif. Ben oui, je vais être là. Puis quand je vais accoucher aussi? Non, 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 par exemple. Moi, j'ai assez de voir des accouchements à télé, ça me donne des crampes, j'ai pas d'affaires, là. C'est bien la dernière place où j'aimerais me trouver. Oui, mais même si j'avais quelqu'un dans ma vie, Isabelle, là, je voudrais que tu sois là, hein? C'est comme une sœur pour moi, oui. Maryse, j'ai pas envie d'assister à ton accouchement. Tu demanderas à ta mère. Non, mais c'est pas ma mère que je veux, c'est toi. Toi, là, tu t'embarques dans des histoires et tu veux m'entraîner. Non. Ah, ça sert à ça. Une meilleure amie? Ouais. Mais là, ta meilleure amie, là, il y a quelque chose qui l'intéresse, là, qui est beaucoup plus important que de savoir si elle va assister oui ou non à la naissance de cet enfant-là. C'était comment? T'es pourrie, Isabelle Dupré, pourrie. Non, mais c'est vrai, je me sentirais beaucoup plus concernée si je savais dans quelles circonstances il était conçu, cet enfant-là. Oh. Non, mais peut-être que là, je pourrais penser à assister à sa naissance, peut-être. Mm-hmm. C'est écœurant. C'est du chantage pur et simple. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du chantage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu dois bien savoir comment on fait ça, un bébé. Mais là, la base, là, ça va, sauf que, je sais pas, je veux savoir s'il est aussi mature qu'il dit, s'il parle, s'il est tendre, s'il fait preuve d'imagination, s'il est conventionnel, des détails croustillants, quoi. Une vraie voyeuse, quoi. Non, je suis pas une voyeuse, je suis une écouteuse. Non, c'est sérieux, Isabelle, j'ai promis. Si je veux que lui respecte sa promesse et qu'il cherche pas à s'interposer dans la vie du bébé, il faut que je respecte la mienne, c'est le minimum. Oh, de toute façon, j'ai plus le temps. J'ai un cours cet après-midi, fait que je suis en retard. Bye. Merde! Isabelle, si je peux te dire quelque chose, là, c'est que si je suis pas enceinte, je regretterai pas trop d'avoir commencé. Ciao, Bella. Ça y est, c'est fait. Vought va distribuer certains de nos modèles. Ah, c'est génial. Et combien ils prennent? 40%. Aïe, 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 ça nous laisse pas une grosse marge de profit. Ouais, il va falloir augmenter un petit peu nos prix pour que ça vaille la peine. Hein? Mais j'ai quand même réussi à négocier un défilé pour nos modèles. Ils font ça une fois par mois, puis dans 3 mois, c'est à notre tour. Hey, formidable! Maman va pouvoir y aller avec ses amis de Westmount puis péter de la broue. Hein? Mm-hmm. Oh, hey! Ouais. Parlant de pétage de broue, là, je te dis qu'il y en a une qui en pète pas mal sur notre dos puis depuis un bois par ça. Qui ça? La belle Erika. Elle a emprunté pour à peu près 1 800 $ de vêtements qu'on verra jamais parce qu'elle déménage à Toronto. Non, non, elle est revenue. Ça a l'air qu'elle haïssait ça, Toronto, puis elle a réussi à se faire muter à Montréal. C'est ton ami Daniel qui m'a dit ça. Oh, ben, je te signale que mon ami Daniel, ça a déjà été ta très, très bonne amie. Oh, c'est du passé, cette histoire-là. Ben, en tout cas, pour Erika, là, tu vas l'appeler, puis tu vas lui demander de nous rembourser. Oh, non, 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 non. Hein? On s'est pas laissé en très, très, très bon terme, puis j'aimerais mieux plus avoir affaire à elle.
Ben, qu'est-ce que je vais faire pour les comptes à recevoir, moi? Tu le mets dans les pertes. Tu le mets dans les pertes? Ah, ben. Écoute-moi bien, petit pote, là. C'est la dernière fois qu'une de tes gadailles s'habille à nos frais. Il n'y a pas de problème, la prochaine, là. Elle dessine elle-même ses vêtements. Elle n'est pas encore arrivée, hein? Non, ça devrait pas tarder. Et toi, là, t'as fait exprès pour lui donner la matinée de congé pour pas que je puisse la voir, hein, c'est ça? Ben, ça va faire, là, la paranoïa. Hey, t'as 2 mois pour la séduire. Va pas trop vite, tu vas l'effaroucher. Puis Nathalie, elle, pognée toute seule avec un père comme ça, c'est la dépression, c'est sûr. Oui, oh, ben, fais-toi-en pas trop pour elle, hein. Elle sait comment le prendre, son père. Oh, mais ça serait quand même bien que tu l'appelles. Hein? Oui, plus tard, là. En tout cas, j'en reviens pas que ça t'ait pris tout ce temps-là pour comprendre à quel point il est borné. Mais voyons, Gabrielle. Non, non, c'est pas parce que je me sépare, là, que tu vas pouvoir déblatérer contre Jack. Il t'a toujours aimé comme si t'étais sa fille. Ben, Dieu merci, c'est pas le cas. Mais là, là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben, je vais m'installer ici quelques semaines, là, le temps de voir comment mes affaires s'arrangent. Tu vas t'installer ici? Ben oui. Ben, Julien est d'accord. De toute façon, je vais partager mon temps entre ici et Trois-Rivières. J'ai encore mon poste là-bas, hein. Mais je vais quand même aller voir Rivard ici à l'UQAM. J'avais parlé en septembre et puis il m'avait dit qu'il y aurait peut-être quelque chose pour moi. En septembre? Ça fait un bout de temps que tu y pensais à le laisser, ton moron. Oh, Gabrielle, voyons. Bon. Tu sauras que c'est pas un coup de tête, là. J'ai longuement réfléchi. C'est juste que j'ai pas envie de me sentir morte à 45 ans. J'ai envie de vivre. Ben, c'est pas moi qui va te blâmer de vouloir changer ta vie. Puis y a pas juste ça. On va pouvoir passer plus de temps ensemble. Je me suis ennuyée de toi, hein? Fais-toi-en pas, je te connais, ma sauvageonne. Je t'achèlerai pas plus qu'il faut. Non, non, c'est correct. Ça me dérange pas vraiment. J'ai mon appartement. Si je veux avoir la paix, j'ai juste à descendre en bas. Mais ici, vous allez être à l'étroit. Il y a juste une chambre. Tu vas dormir où? Ah, oh, dans le salon. Oui, ça va. J'espère juste que Louise n'est pas jalouse. Elle n'a pas d'affaire à être jalouse, elle, franchement. Julien, puis moi, c'est la vieille histoire, ça. Ben, justement, Julien est archéologue. Il aime ça, les vieilles affaires. Hey! J'ai pas envie de revivre le passé, non. Je suis plutôt tournée vers l'avenir ces temps-ci. D'ailleurs, ben, en parlant d'avenir, le beau brun qui est parti reconduire Julien, c'est qui, ça? C'est Thierry, le photographe avec qui je travaille. Mais encore? C'est mon patron, puis c'est un très bon ami. Finalement, c'est ton amant. Qu'est-ce que t'as fait de François? Moi aussi, je me suis tournée vers l'avenir. François, il a le même problème que Jacques. Il évolue pas. Ah, je comprends. Ton Thierry, lui, a l'air pas mal évolué, hein? Ça me plaît, ça. Fait que je te vois, toi, y faire de l'œil. Il est bien trop jeune pour toi. Il a quel âge? 34. Ah, ben, c'est parfait, ça. Ouais, il y a moins de différence entre lui et moi qu'entre toi et lui, hein? Alors, regarde-moi pas de même, je te niaise, voyons. Non, non, il m'intéresse pas. On n'a pas les mêmes goûts, hein? Tu les aimes pas mal plus macho que moi. Il est pas macho. François l'était, mais pas Thierry. Ah, ça doit être son air italien qui est trompeur. Parlons de la bête. Puis? Mission accomplie. Julien est arrivé à l'heure. Mais presque. Merci. Veux-tu un sandwich? Je vais t'en préparer un. Tout est sorti, ça va prendre 2 minutes. Mais sinon, je vais m'en faire un. Allô, mes chéris. Hey, oh! Comment ça va? Depuis que t'es là, ça va mieux. Ah, oh, Isabelle, tu pourras plus faire l'école buissonnière. Hein? Ça déprime trop, petit poutre. Surtout quand c'est pour faire la matinée crasse, crasse, crasse avec ton chat. Mais là, déprime plus, je suis là. Mais tant mieux. Hey!
J'ai signé avec Vault ce matin. Ça fait qu'il faut que je paye le champagne à ta mère, je l'avais promis. Ah, ben, Phil-là va être content. Je vais vous amener dans une place super chic que je connais sur Sherbrooke. Parce que je suis invitée. Bon, on est toutes invitées, hein, Tipout? Ben oui, on est une équipe ici. Si on réussit, là, c'est à cause de tout le monde. De toute façon, moi, je tenais toujours compte les factures, jamais participé au choix. Oh, mon Dieu! Regarde donc qui c'est qui parle, qui c'est qui nous embarque tout le temps dans des projets qui coûtent un bras, là. Hey, ça, c'est pour le bien de la boutique, pas pour mes intérêts personnels. Moi, mes amis, là, quand elles viennent s'habiller ici, elles payent. Bon, ouais, qu'est-ce que j'entends? Simon Olivier a fait des folles dépenses. Ça se peut pas, lui, qui est si raisonnable. C'est une vieille histoire que Jasmine a déterrée, là. C'est sans intérêt. Ah, ben sans intérêt, tu peux le dire. S'il fallait en plus qu'on compte les intérêts sur 1 800 $. Bon, là, tu radotes, là. Ben, écoute. Oh, regarde! C'est qui, là, la belle Danielle? Oh, salut! Hey, la belle coïncidence. Allô? Simon me parlait de toi, matin. Ah oui, est-ce que je te moque? Ben, là, je racontais à Jasmine qu'on s'était croisés l'autre soir au bar. Mais oui, puis ça m'a donné le goût de venir voir ce que vous faites. Ben, regarde. Oh, wow! Magnifique! Ouais, c'est une création d'Isabelle, notre nouvelle associée. Isabelle, je te présente Danielle, une amie, une grande amie de Simon. Enchantée. Je m'ennuie de vous autres. On vous voit plus? Ben là, on a travaillé pas mal fort, là, puis on arrive justement de New York. Puis tu m'as pas appelée. Oh, dommage. On a eu tellement de fun la dernière fois à New York. Ouais, mais là, on y allait plus pour travailler, ça fait que... Ouais, ça fait que ça aurait pas été très pratique qu'ils sortent pas de la chambre pendant 3 jours. Bon, ça te tente-tu de faire un tour, d'essayer quelque chose? Oui, as-tu des choses nouvelles à me faire essayer? Ben, tu sais qu'ici, on a tout le temps du nouveau, hein? Je pense pas que c'était des vêtements dont elle parlait. Non, je pense pas non plus, moi. Je pense que je vais y aller, elle va sauter dessus dans la salle d'essayage. Ah, laisse-les se débrouiller. Écoute, c'est mon petit frère. Faut que je le protège. Samilia? Des combes, des combes, une autre combe. Philippe? Une lettre pour Maryse? N'oublie pas de me rappeler, hein? Non, je te rappelle, c'est sûr. OK, bye. Ouais. Bon, ben, Jasmine a réussi à me débarrasser de Daniel, là. Ils sont partis manger ensemble. Ouh. Ah oui. Hey, comment tu fais pour avoir tout le temps des bonnes idées, toi? Je n'ai pas tout le temps. Des fois, je commence sans savoir où je m'en vais, ça donne quelque chose. Des fois, non, mais là, c'est beau. Ah oui. On s'en vient bien, hein? Notre collection est harmonieuse, on a trouvé notre style. Mm. En tout cas, tu nous aides beaucoup, hein? Jasmine a du talent, mais toi, t'es plus méthodique. T'es une bûcheuse, t'es une perfectionniste. C'est bon, ça. C'est facile, je fais ce que j'aime dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai, j'ai juste à créer sans me soucier du côté financier. C'est tout toi puis Jasmine qui vous tapez le côté plat de la business. Ouais, mais ça me dérange pas du tout, ça. C'est ça que ça prend pour que tu sois heureuse de travailler ici. Je suis heureuse. Mais tant mieux. Parce que moi, je suis vraiment heureux que tu sois ici. Non, Simon, arrête, Simon. Ça donne rien, puis ça me rend mal à l'aise. Je sais pas, t'as peut-être le réflexe de croiser toutes les femelles qui gravitent autour de toi, mais avec moi, là, il va falloir que tu modères tes transports, sinon ça marchera pas. Je te trouve bien charmant, mais tu m'intéresses pas. Pourquoi ça? À cause de Louis, c'est ça? Tu sais, y a pas juste un gars dans le monde, hein? Mais non, même si j'étais pas avec Louis, tu m'intéresserais pas. J'ai besoin d'un gars en qui je peux avoir confiance. Pas un gars qui change de fille comme il change de chemise. Mais là, c'est parce que j'avais pas trouvé la bonne, ça. J'avais pas trouvé celle que j'aurais envie de mettre à tous les jours. Franchement. Attends, attends, là. Tu penses pas. C'est pas ça que je voulais dire, là. C'est à cause de la comparaison, la chemise. Ah, tu me fais déparler, là. Je perds mes moyens avec toi. Tu perds tes moyens puis ton temps. Attends. Je perds pas espoir, par exemple. Va bien finir par te rendre compte que je suis sincère. J'ai jamais ressenti ce que je ressens pour toi avec aucune autre fille. T'as dit ça combien de fois? Hein? Sois donc honnête si t'es capable. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le pensais pas. C'est bien, ça me rassure. Ben quoi, là, tu voulais que je te dise la vérité, c'est ça que j'ai fait. Oui. Puis ça prouve tout à fait ce que je pense. Simon, tu t'intéresses à moi juste parce que je te dis non. As-tu vu le genre de fille avec qui tu sors?
Je suis pas de taille, moi, concurrencée avec une Danielle ou le genre de mannequin que tu fréquentes. Ouais. Tu serais bien déçue. Mais t'es vaut toutes. T'es une vraie femme, toi. T'es intense, t'es vivante. OK, Simon, arrête. OK? Arrête, sinon je vais me choquer. Puis tu vas voir qu'une vraie femme, quand ça choque pour de vrai. Ouh, j'aimerais savoir ça. Il me semble que tu dois être pas mal belle avec les petits yeux qui lancent des éclairs, là, en colère. Il me semble que ça doit être excitant, ça. Oh, je monte un peu quand c'est gentil. Ouh! J'ai reçu une lettre. Pour toi. Pour moi? Chez vous? Ouais, c'est Philippe. Il avait perdu ton adresse. Ah, mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles à lui. Oui. Si tu veux boire quelque chose, sers-toi, hein. J'ai du Perrier, du jus, de la bière. Prends un Perrier, merci. Il revient pour de bon? Oui, il était tanné des conditions difficiles. Il a fait son 2 ans avec Médecins sans frontières, puis là, il revient. Mais je sais, c'est ça qui m'écrit. Ouais. Philippe qui est de retour, toi. Pourquoi tu me dis ça avec cet air-là? Pour rien. Je suis certain qu'il va être très content d'apprendre que t'es enceinte. Hey, t'es-tu obligé de faire chier, Louis? Ben quoi? C'est une décision tellement réfléchie, tellement bien pesée. Il n'y a rien qu'à changer, là. C'est pas parce que Philippe revient, puis qu'il a hâte de te voir. Il t'a dit ça? Entre autres, oui. En tout cas, s'il a fait de l'obstétrique, tu pourrais lui demander de t'accoucher. Arrête, OK? Ben quoi, c'est un très bon médecin. Puis au Pérou, là, je suis certain qu'il a fait pas mal d'accouchements. Non, tu te sentirais pas plus en sécurité entre les mains de quelqu'un que tu connais bien, là. On n'est pas rendu là, là. Je sais même pas si je suis enceinte. Ça a plus l'air de te tenter tout d'un coup. Oui, t'es bien gentil d'être venu me porter la lettre, là. Mais j'ai pas envie de me faire baver, fait que... OK, je comprends ça. J'ai besoin de réfléchir un peu. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vraiment plate que cette lettre-là ait été retardée. Hein? Non, c'est vrai, elle serait arrivée 2 semaines plus tôt que... Comment ça? À la tête de quand? Ça veut dire qu'il revient... La semaine prochaine. C'est ça. Ciao. Que tu t'es embarqué dans une belle affaire, hein? Héberger Madeleine pour quelques semaines. Comment, quelques semaines? Ben, c'est ça qu'elle m'a dit. Non. Moi, elle m'a dit pour pas longtemps. Quelques jours, une semaine, pas plus. Quand tu t'installes pour quelques jours, apportes-tu ton ordinateur? Ben, c'est pas grave, depuis le temps que t'en voulais un. Elle restera pas ici assez longtemps pour que je puisse en profiter. Compte sur moi. Ça peut être long. Elle a pas l'air tellement branchée sur ce qu'elle veut faire. Non. Je la connais, Madeleine, là. Elle va vite retomber sur ses pieds. C'est toi qui le dis. Mais qu'est-ce qui t'a pris aussi de dire qu'elle pouvait rester? Mais j'étais quand même pas pour la mettre dehors. Mais Julien, t'es trop bon. T'as connais pas comme je la connais. Elle nous cache quelque chose. Je sais pas quoi, là, mais elle nous dit pas toute la vérité. C'est ma mère, je la connais. Mais justement, c'est toi qui devrais l'héberger. Ça aurait bien plus d'allure qu'elle habite avec sa fille plutôt qu'avec son ex. J'ai passé l'âge de coucher avec ma mère. Mais moi aussi, Gabriel, j'ai passé l'âge de coucher avec ta mère. On pourrait faire comme quand Yorgan était là, toi, tu prends le sofa puis tu prêtes le sol à Madeleine. Essaye pas, c'est toi qui as accepté. Gabriel, s'il vous plaît. C'est fragile avec Louise de ce temps-là. Je sais pas comment on va prendre ça que Madeleine soit ici. Mais t'avais juste à y penser avant. J'ai pensé, mais je pouvais pas faire autrement. S'il vous plaît. Ouais. C'est vrai que ça aurait plus de sens qu'elle dorme en bas, là. Au moins, t'aurais la paix. Ah, mais ces soirs-là, je pourrais peut-être dormir au studio où il y a tout là-bas. Il y a une petite salle de bain pour les mannequins, il y a même une cuisinette. Non, ça, c'est une bonne idée. Et Thierry vient me chercher tantôt à 6 h pour un cocktail, je demanderai. Bon, il va accepter, voyons. Donc, ça peut bien y faire. Ouais. De toute façon, ça va même être mieux. Il va toujours t'avoir sous la main. Sous la main? Ben, je parle là en tant qu'employé, là, pas en tant que maîtresse. En tout cas, toi qui te plains tout le temps parce que c'est toi qui payes pour mes gaffes. Cette fois-là, c'est moi qui écope, hein? Oh, je suis sûr que ça va te faire tellement de peine d'être plus près de Thierry pour quelques semaines. Ah! Tenez. Ah, ouais. Mais je suis pas sûre de la martingale, par exemple. Il me semble qu'avec 2 pinces, on aurait le même effet, puis ça ferait moins chargé. Ouais, peut-être, sauf que... Moi, j'aime ça. Je sais pas, t'as le choix de le porter et ajuster ou non. Ouais, ça, c'est vrai que c'est plus polyvalent. Hein? Ouais. C'est qui la fille avec Simon? Evelyne, son avant-dernière. Julie.
Soit belle et tais-toi, t'sais. Elle a deux neurones puis sont à off. Elle est venue montrer des photos de son chien. Je te dis, c'est elle qui aurait dû sortir avec un vétérinaire. Merci. Mais non! Pas à cause des neurones, à cause du chien. Tu trouves pas qu'elle ressemble à un épaniel? C'est pas des gens qui avaient même en train de se licher l'oreille. J'espère qu'elle est vaccinée. C'est pas des blagues, elle a même un collier de chien dans le cou. Mais écoute, c'est pour mettre sa médaille avec son nom, son adresse, d'un coup que je me perds. Bon, qu'est-ce qu'il y avait de drôle, là? Je vous entendais rire en avant. Mais rien, on travaille dans la joie, c'est défendu. Qu'est-ce qu'elle voulait, la belle Evelyne? Oh, rien en particulier, là. Elle passait dans le coin, elle venait me dire bonjour, puis elle m'a montré des photos de son chien. Un épagneul. Mais là, c'est quoi la joke, là? Rien, mais essuie-toi l'oreille, par exemple, t'as encore un petit peu de bave. Je sais, là. Hey, vous êtes pas drôle, là. Bon, j'ai été menstruée ici, ça veut dire que je serais due... là. Est-ce que ma main est correcte? Ah oui, inquiète-toi pas, elle va très, très bien. Tant mieux. J'ai eu peur quand je t'ai vu arriver. Je pensais qu'il était arrivé quelque chose de grave. Ben non, c'était moi qui t'avais d'arriver quelque chose de grave. Louis, j'en peux plus. Je sais que c'est pour son bien, là. Je l'aide du mieux que je peux, mais c'est pas vivable à la maison. Comment ça? Ben, tu dois bien t'en douter. Man a déjà suivi des régimes quand t'habites encore à la maison, et pas du monde. Hey, as-tu déjà remarqué combien d'annonces de bouffe à télé? Des journaux, les recettes dans les revues, c'est l'enfer. Ben oui, mais elle est vraiment décidée, c'est déjà quand même bon, non? Oui, quand t'habites pas avec, oui. Je meurs de faim, Louis. J'ai pas besoin d'être au régime, moi. Caroline, mange ailleurs. Oui, mais c'est ce que je fais. Mais je peux pas me payer le resto tous les jours. Et hey, j'ai même pas le droit de faire rentrer de tentation à maison. Pas de biscuits, pas de pain, pas de fromage, pas de dessert, et juste de la crème glacée, light. Mais ça fait que je me fais inviter à souper chez tout le monde que je connais, puis la soirée, c'est ton tour. Si j'ai bien compris, Caroline, j'ai comme pas le choix. C'est ça. Oh, s'il te plaît, Louis. Un gros hamburger fromage avec une tonne de frites, du sel, du vinaigre, du ketchup, de la bière, puis du gâteau au chocolat. Et j'ai apporté le gâteau quand même. Louis. J'ai faim. On dirait, oui. Tu veux pas que je te prépare des bons petits légumes? Oh, Louis! OK. Des chips et une bière. Je sais pas si elles vont acheter, mais en tout cas, elles ont l'air de s'amuser. Ouais, mais ça m'inquiète, ça. D'habitude, quand ils essaient beaucoup de morceaux comme ça, ils finissent par rien acheter. Jasmine... pas mieux, tu sais. Elle les encourage, elle aime tellement ça faire la folle avec les clients. Arrête donc de grogner. Tu me trouves grognon? Oui. C'est trop cher, c'est pas sérieux, ça se vendra pas. Voyons donc. Hey, tu me donnes un choc, là, voyons. Je m'étais jamais vu. Tu me trouves grognon? Oui. Fais-en pas un drame, ça t'empêche pas de séduire les femmes. Et toi, j'ai l'impression que tu t'imagines que j'ai eu des dizaines de blondes dans ma vie. C'est pas vrai pantoute, ça. Les filles avec qui je suis vraiment sortie, là, j'ai trop de doigts dans une main pour pouvoir les compter. Oh mon Dieu, t'es un mutant. Elle a combien de doigts, ta main? Tu sauras que dans la vraie vie, là, quand je suis pas ici, je suis très calme, je suis posé, je suis sérieux. Ici, c'est Jasmine qui me fait faire des folies. Moi, je crois pas à ça. Les gens sont pareils tout le temps. Ah, ben c'est pas vrai, ça. Regarde-toi. L'autre soir, quand on est sortis au bar, là, quand c'est venu le temps de discuter du contrat de photo, là, t'aurais dû devoir aller. Moi et Thierry, on n'a pas pu glisser un mot, hein, c'était... Gabrielle qui photographiait tes modèles, puis c'était un point final, pas de discussion. C'est tout à fait moi, ça. Quand je suis quelque chose, c'est ça. C'est point final, pas de discussion. Ah, je te crois pas. Pas vrai, ça. T'es pas aussi intransigeante, ça se fait pas. Je sens trop de douceur en toi. La douceur. Ouais, la douceur. Puis je suis certain que je vais finir par trouver ton point faible, puis réussir à me glisser jusqu'à cette merveilleuse douceur. Tu te glisseras d'une part avec moi. Ah, je suis pas certain, hein. Tu commences à avoir peur. J'ai pas peur de toi. T'as pas peur de moi, mais tu commences à avoir peur de toi, par exemple. De ta vulnérabilité. Douce et vulnérable. Mais c'est fou ce que tu sais bien juger les femmes, Simon. Non, c'est ma grande force, ça. Bon, arrête de faire le genre, puis viens m'aider. Tu es sur le point d'acheter, je le sens. Il manque juste tes beaux petits regards d'épagnole en chaleur pour mettre en business. Ah, oui. Ah.
Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est ta grande force. Mm-hmm. T'es capable. Vas-y, vas-y. T'es un beau salaud, hein? Éricoque. M'envoyer un compte par huissier. Oui, non, j'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. T'es veux-tu te gagner? C'est quoi puis ça? Si jamais je reçois un nom de tes tas de compte de toi et ta petite boutique de merdeux, tu vas avoir affaire à mes avocats. C'est-tu clair? Voyons. Bon, excusez-la, là, c'est une folle. C'est incroyable ce que les gens feraient pour pas payer leur compte. Hein. C'était qui, ça? Erika, l'avant-avant-dernière blonde de Simon. Ah, douce et vulnérable. Salut. Salut. Ben alors, de bonne main. Je pensais à toi. C'est ça qui te rend de bonne main comme ça. Mm. Je suis contente. Ça va pas que tu t'en fasses pour ta mère. Bon, Madeleine, c'est ce qu'elle a à faire. Hein? De toute façon, elle est pas mal prise. Julien a accepté de l'héberger pour quelques temps. Je suis vraiment correct, papa. Y a pas beaucoup d'hommes qui feraient ça pour leur ex-femme. Penses-tu qu'ils pourraient revenir ensemble? Oh non, jamais. Il fait ça par pure bonté d'âme. Je suis certaine qu'il n'y a aucune arrière-pensée face à Madeleine. De toute façon, il y a Louise. Elle trouverait pas ça drôle, hein? Justement, Thierry, je voudrais te demander quelque chose. Ça se peut que Madeleine ait besoin d'un endroit où dormir quelques soirs par semaine. J'y prêterais bien mon appartement, mais j'aimerais ça pouvoir aller dormir au studio ces soirs-là. Le divan-lit est très confortable. Au studio, non, non, tu serais pas bien. Puis t'as l'air ouverte, là, t'aurais pas d'intimité. Puis j'ai loué le studio à un de mes amis. Mais c'est pas grave. Je mettrai le paravent. Il y a tout, là, une salle de bain. Le studio, c'est pour travailler, pas pour faire du camping. Je reçois des clients, des fois, le soir, je fais des téléphones. J'ai besoin de pouvoir l'utiliser quand je veux. OK, oublie ça. C'est pas que ça me ferait pas plaisir, c'est juste que ce serait pas commode ni pour un ni pour l'autre. Sur ma raison. Bon, on y va-tu, là? Le cocktail est à 6 heures. Veux-tu bien me dire que c'est qui t'a pris d'y envoyer un compte de huissier? Tu le sais qu'elle est folle! Et on est bien chanceux qu'elle nous ait pas cassé une vitrine, là. T'aurais pu au moins me prévenir que t'étais pour faire ça. Écoute, t'as pas voulu l'appeler pour lui demander de nous rembourser, puis moi, j'étais pas prête à perdre 1800$. On travaille assez fort. Ben oui, on est bien avancé, là. C'est pas vendable, ça. C'est défraîchi, ça sent le swing, puis c'est des modèles d'année passée. Au moins, elle fera plus sa fraîche notre dos. Ah oui, ça nous faisait de la pub, ça. La pub, la pub. Tu sais pas, toi, ce qu'elle disait de toi quand t'étais pas là. J'ai dit que Daniel, elle m'en a raconté des vertes puis des pommes. Ouais, mais c'est une maudite folle. Elle devait bien avoir un petit côté vulnérable. Oh, 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 oh. Non, mais c'est vrai, Simon. Trois ex dans une même journée pour un gars qui a pas eu plus de blondes que les doigts d'une seule main, ça fait beaucoup. Ouais, c'est vrai, ça. Je trouve ça bien bizarre, ouais. Ouais. On dirait presque que c'est quelqu'un d'autre qui leur a passé le mot. C'est une coïncidence, hein? Ah ouais? Mauvaise conjoncture des planètes, c'est Mars et dans Vénus, ça fait de la chicane dans la cabane. Ouais, ben faudrait qu'on se rencontre pour que t'essayes de me prédire mon avenir. Je sais pas, est-ce qu'il me réserve d'autres mauvaises surprises comme ça? Ben oui, mais je le sais pas, mon petit pouce, je connais pas ça, je dis n'importe quoi. Ah! Attends, il y a quand même quelque chose que je pourrais te prédire, oui. Une dépense qui te fera pas plaisir dans les deux prochains mois. Déjà? Ça plate ton affaire? Non, c'était correct. Ouais. As-tu parlé à Thierry de le studio? Oui, puis il pourra pas me le prêter. Vu que je savais pas quel jour exactement, puis pour combien de temps, là. C'était trop compliqué, ça marchera pas. Ouais. Bon, je comprends. Moi, c'est correct. Moi, c'est arrangé, fais-toi-en pas avec ça. De toute façon, pour l'instant, ça me dérange pas bien gros. Je l'ai pas vu de la soirée. T'es triste, toi? Qu'est-ce que t'as? Non, non, c'est correct. Je suis juste un peu déçue. Ça aurait vraiment été la meilleure solution. Ben, c'est vrai, le studio, c'était un lieu de travail, puis... Encore ce soir, il s'en allait là avec des clients potentiels. J'aurais vraiment été trop. Vous êtes là tous les deux, mais tant mieux. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Je vous présente Renaud.
Renaud, c'est Gabriel et Juliette.